Et salut à tous, c'est Pipou, on se retrouve sur la chaîne pour la suite de Diddly Teen Wonder Labyrinth. Alors on reprend là où on s'arrêtait la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'on a par là-bas? Carla, cette bataille sans fin, je sais que tu en es responsable. Je t'avais pourtant parlé des tests qui t'attendraient. Les terres de Lodos ont toujours été déchirées par la guerre. Les peuples s'entretuent en hurlant des serments. Et tout sera oublié pour que seule la mort et la destruction subsistent. N'est-ce pas, Hôtel à la vie éternelle? Je sais pas ce qu'elle nous veut, elle. Qu'il est beau! Shooting star! Dire que ton regard est empli de surprise et non de peur. Tu me prends pas au sérieux, elfe? Crains-moi, lamente ton sort, pleure d'agonie. Affronte-moi en sachant ton serment vain. Attends, je ne veux pas t'affronter. Frappe-moi, elfe. En plus, il est mazo, lui. Je ne compte ni fuir ni me cacher. Tu vas prendre tarif! T'es mais il est mauvais ou c'est moi? Oh. Allez, quasiment mort. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que c'est ça? Cette attaque de merde. Ah, ça va, ils m'ont mis ça à côté pour me ressusciter. Ils sont... K.O. où? Ah! Ah, j'attends de me soigner un petit peu tranquille. Allez, il revient. Il est quasiment mort. T'es resté un coup à lui mettre pour le détruire. Franchement, il était simple ce combat. Rien de transcendant. Hein. Bah, surtout le début du combat, quoi. Je sais pas, genre, début du combat, je suis arrivé, je crois que j'ai dû lever... Ah, putain, il y avait encore un truc là-bas. Putain, j'ai dû lever, allez... 75% de la vie sans qu'il bouge, con. C'était chiant ça. Et ouais, le truc c'est que... Oula! C'est quoi? Ok. Alors, on va déjà partir là-bas.
Putain, je peux pas y aller là, et merde. Ah, y'a un pouvoir là-bas, t'es. Ouais, ça c'est bon. Ah merde. Alors attends, on va peut-être remonter d'abord sur ce truc dégueulasse là. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Ça va, au final tu restes un peu loin, tu tires à travers, ça va tout seul quoi. Ah merde, c'est quoi qui m'a touché? Moi j'aime bien là qu'ils peuvent rien me faire là comme ça, trop bien ça. Plus de dégâts ça ouais. Allez, tire. Ah, pas mal. Oh, ça fait longtemps, vous, ah. Par contre, ouais, si tu veux bien te placer, ça m'arrange aussi, hein. Elle a l'air grande la zone, hein. Ouf. Tiens. Ah, on est revenu dans la première zone, on dirait, non? Ah, je peux pas passer la tête. Non. Oh putain, il y a des zones cachées. C'est quoi ça? Ah cool. Alors là par contre, il me faudra un truc, mais j'ai pas accès, donc c'est pas par là. Ok, donc là on a dit que c'était bon. Là-bas on avait dit que je pouvais pas y aller, donc là il faut que je redescende. Là on va se soigner. C'est cadeau, t'en profiter.
On passe dans le dôme, on est tranquille. Là, faudrait que je descende. Et par là. Ah, qu'est-ce que c'est ? La clé d'âme. L'âme d'un voleur ouvrant une porte verrouillée. Tiens, en réalité, faudrait que j'aille par derrière pour ouvrir la porte. Mais c'est quoi la clé d'âme ? Je comprends pas à quoi elle sert. Et merde. Alors, plutôt par là, du coup. Non, là, il y a ça. Pas mal. Et maintenant que je sais qu'il y a des murs qui se brisent, j'ai dû en rater quelques-uns, hein. Bien par là, ouais, c'est ça. Ah, c'est quoi ça? Oh, le boomerang. Le boomerang, c'est dans quoi ça? Oh, mais c'est bien le boomerang. Bah, je suis pas trop fan, moi, non. À voir ce que ça donne après, mais bon. Ah, c'est quoi ça? Il faut tirer bien en bas du mécanisme, sinon le truc il redescend, quoi. Ah merde. Ah, par contre c'est bien parce que ça peut tirer même plus loin. C'est cool ça. Non, c'est pas mal. Pour faire des dégâts rapides, c'est cool ça. Y'a pas un truc à péter là? Un mur dégueulasse? Non, c'est bon. C'est bon, hein, maintenant j'ai l'habitude. Hein. Je vais essayer d'éclater tous les murs qui passent, hein, je te le dis. Hein. Qu'est-ce que c'est ça?
Dragon inférieur. Et mourir là. Ah ben voilà, on peut ouvrir les portes comme ça du coup. Parfait. Alors maintenant, bonne question, il faudrait que j'arrive à remonter sans trop me faire éclater la bouche. Ah putain, je suis mort. Du coup, je peux ouvrir les portes ou pas, là? Il faut tout que je me refasse. Ah non, putain, il faut tout que je me refasse. Oh, putain, casse-couille. Hein. C'est chiant quand même ce dragon là. Ouais, parfait. Donc là, on revient ici. Alors là, on est revenu ici. Là, maintenant...
On va déjà essayer de remonter par là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait déjà? Alors attends, si je passe par là, là on pouvait pas y aller, pas de problème. Là on peut redescendre au tout début et revenir à la première zone. Ce qui me servira à quoi du coup, je ne sais pas trop. J'ai cette fameuse clé verte là, la clé d'âme, mais je sais pas quoi me sert donc... Et là, du coup, par contre, si je fais des doubles sauts, je peux arriver par là. Des sacs à PVE, hein. Ah, cool, c'est quoi ça? L'esprit du feu s'est renforcé, la puissance d'attaque à l'élément de feu a augmenté. Ah, c'est bien ça. Cool. Bon truc. Bonne trouvaille. Alors, où est-ce qu'il faudrait que j'aille? À l'occasion, ça serait bien de retourner dans les zones précédentes, du coup, s'il y a des choses à récupérer comme ça. Mais bon, il faudrait que j'aille déjà... Ça, c'est quand je trouverai un téléporteur, ça serait bien, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé de téléporteur, ouais. Oula! Ah, c'est vrai que dans la zone bleue, là, celle qu'on était en train de faire des téléporteurs, j'en ai pas trouvé une seule. Hein. Je veux dire, là, par exemple, dans cette zone-là, j'en ai un, deux, trois, c'est les trucs en jaune, hein, les carrés jaunes sur la carte. Là, dans la zone verte, pareil, j'en ai quand même au moins deux. Ailleurs, non, j'avais pas des masses. C'est quoi le truc qui est fermé avec un genre de cadenas, là, je sais pas quoi. Il y a un truc fermé avec un cadenas, je sais pas ce que c'est. Juste en dessous. Ici, là, il y aurait un truc. Non, pas par là. Ah, c'est peut-être le marchand, non? Est-ce que ce serait pas le marchand? Ah, c'est le marchand. D'accord, ok. C'est dommage que, par contre, tu peux pas sélectionner plusieurs, quoi. Ah, ils vendent plus trop des choses après intéressantes en soi. Même lui, certes, c'est plus rapide, mais c'est moins puissant. Hein. Et bon, les arcs après en soi, bon, c'est pas non plus. Hein. Alors. Donc, il faudrait quand même... Ah! Bon, bah, prends là, c'est gratuit. Ah, pas sans peine, hein. Faudrait que je retourne à la zone bleue, du coup, ouais. C'est une blague. Alors le mec est passé au travers, quoi.
Alors là-bas, et merde. Là-bas, on a dit qu'il n'y avait rien. On va sûrement descendre en réalité. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là? Ah! Eh ben, on fait un miracle! Pour en revenir dans les zones précédentes, du coup, t'es. Oh, c'est chiant. Allez, monte plus vite parce que sinon il est passé 2 heures. C'était beau. Et si, c'est merde. Ah, saloperie. Ah, c'est bien du coup avec le boomerang. Tu tires et tu te retournes, ouais. C'est bien ça. Tu tires et tu te retournes. Et le prochain boss, il est là-haut. Ah ben voilà. Tu tires et tu te retournes. Tu tires et tu te retournes. Ah, le vendeur. Est-ce qu'il vend des trucs plus intéressants du coup? Ou est-ce que c'est toujours les mêmes objets? 3000. Épée creuse, je perds 1 en rapidité, mais par contre, j'ai plus 11 de dégâts.
Mais c'est pas obligatoirement mieux pour le moment. Non, pour l'instant, c'est pas mieux. Non, parce que Boomerang, c'est pas mal pour... C'est bien parce qu'elle recule, moi ça me dérange pas, hein. Recule, hein. Oh, c'est quoi? Une clé d'âme, l'âme d'un artisan ouvrant une porte verrouillée. Et putain, c'est la deuxième que je trouve, je comprends pas. Censé ouvrir quoi, ça? Est-ce qu'il n'y avait pas des portes vertes à un moment donné? Je sais plus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je comprends ton souhait. Tu cherches à ressusciter Ashram, n'est-ce pas? Et je ferai tout pour y parvenir. Alors jure-moi fidélité. Jure-moi fidélité au plus profond de ton âme. Je sais pas ce qu'elle veut, elle. Tout le monde veut qu'on lui jure fidélité. Je sais pas ce qu'elle a, mais... Je jure fidélité à Carla, la sorcière grise, au plus profond de mon âme. Tu sais faire preuve de discernement, contrairement à certains. J'accepte ton serment. Prends cette épée magique. Tu as une mission à accomplir. L'amour peut se révéler cruel. Marfa, déesse de la création. Nous ne pouvons vivre sans amour, même s'il ne cesse de nous dérouter. Elle est manipulatrice, elle, mais je ne sais pas pourquoi elle la manipule. Je comprends pas le principe. Je comprends pas c'est quoi son but, elle. Dégage. Et dégage. Ah merde. Ok, donc nouveau machin comme ça, parfait. Ah. D'accord. Clé insuffisante pour actionner. Ok, donc clé insuffisante pour actionner. Donc là j'en ai deux. Et on doit sûrement me faire parler des clés d'âme. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi c'est dans le noir ça? Ok, ouais, d'accord, ok, faut que je me débarrasse de ces merdes. Ah! Saloperie! Mais qu'est-ce que c'est ces merdes, je comprends pas. D'accord, donc là il y a un truc au-dessus. Oh putain merde, j'arrive juste là, d'accord. Donc, nouvelle clé. Ça, c'est la troisième. Même si, pour l'instant, j'ai toujours pas compris le concept des clés, mais... J'en ai trois, c'est pas mal.
Oh, l'arc des ténèbres. Ah, il est meilleur, t'es. Ah merde. Alors, est-ce que ça s'ouvre là du coup? Putain, merde! Elle est insuffisante pour actionner, je comprends pas. Alors, je suis pas allé là-bas. Non mais faut arrêter de me filer ça, parce que... Moi je veux bien, hein, mais... Quatre clés éponge. On va aller voir si c'est bon, mais... Il m'en faut combien là? Bon, bah on va redescendre du coup, hein, parce que bon, on va aller là directement. Hein. Ah, Carla, c'est le repère du dieu démoniaque. Ta détermination doit être mise à l'épreuve. Ma détermination? Au nom de quoi te bats-tu? Si tu te bats pour ce que tu as perdu, alors je te dirai ceci. Ta quête est vaine. Ah merde, on l'affronte à elle? Ah merde, ah! Allez, pêche-toi! Ah oh, putain, je me suis ouvert à la fin, merde. Vous étiez donc présent, vous aussi? Tu semblais désorienté. As-tu trouvé ce que tu cherchais? Ce que je cherchais? Si vous acceptez de me prenez main forte, pardonne-moi, elfe, je suis bloqué ici. Mais tu trouveras une zone d'entraînement à l'arc plus loin. Si tu souhaites poursuivre ton voyage, nul doute qu'elle te rendra service.
Rang combien? Arch. Oh, sympa. Ah, c'est bon, hein. Pour moi de là. Attends, file-moi ton truc là. Non mais contre la meuf, à la limite, je préfère, tu vois. Reste un peu loin. Et merde. Voilà. Je préfère que le boomerang, c'est trop long pour arriver à la toucher, ouais. Les ténèbres en toi sont comme les siennes, très intéressants. J'imagine donc qu'il n'y a pas de mal à s'amuser un peu. Permets-moi de te montrer quelque chose, j'espère que tu apprécieras. Faut le parler. C'est qui ça, Floss? Oh, c'est qui ça? Allez, va-t'en vite! T'es ton max, hein? Avec son bouclier de merde là, putain. Ah, ça va, mais faut faire attention au bouclier quoi. Elle fait mal, hein.
Ah, j'ai plus que deux de clés, merde. Est-ce que tu les perds en plus à chaque fois? Ah, ça promet, ça t'es. Bon, ben du coup, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. On va s'arrêter là, du coup, donc, pour cet épisode. Voilà, ben franchement, ouais, la sorcière et compagnie, en soi, bon, au début, la sorcière, c'était un peu chiant, mais ça va. Mais c'est plus l'ennemi derrière, quoi. Sacré dégât, quoi. Putain, genre, elle te touche, elle te paralyse pendant un moment, là. Elle te stun pendant un moment. Je veux dire, non, franchement, elle fait des gros dégâts. En plus, elle a une arme qui permet d'envoyer des rebondis et tout ça, des ricochets, ce qui est assez un peu chiant pour la trajectoire. Mais bon, après, ça va. Une fois que tu arrives plus ou moins un peu à comprendre un peu le pattern et tout ça, ça va, ça passe un peu plus facilement après. Voilà, ben, je vous dis à la prochaine donc sur la chaîne. Et sur ce, ciao, ciao!